And the love kick starts again. Starts again. Salut à toutes et à tous, c'est Text et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel trickshot. Alors aujourd'hui c'est le Titanic. Bon alors pour ceux qui connaissent pas le Titanic, en fait c'est tout simplement un tir. Donc après vous faites un 360, un tir normal, ce que vous voulez, donc un 360 Doufaki, bref ce que vous voulez. Et à la fin, juste avant que la kill cam se finisse en fait, vous prenez très très vite votre coup de danse juste après avoir tiré. Voilà comme ça, regardez. On tire, on prend le couteau. Bon là, il était un peu fail, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite recommencer. Bon là, je vais faire un 360 couteau de lancer dans la Titanic, voilà. Donc on voit très bien que le couteau revient au ralenti. Ça donne un effet quand même plutôt pas mal à la kickam. Ça donne un truc assez stylé, j'aime bien, perso. En match général, j'aime bien essayer ça. Voilà, alors... Donc en fait, comment on fait? Alors c'est très simple, voilà, je vous disais très vite tout à l'heure. Mais en fait, le but, c'est tout simplement de, dès que vous avez tiré, donc vous faites votre saut, votre 3-6, votre... bref, ce que vous voulez, le trickshot que vous voulez. Et à la fin, vous prenez très très vite votre couteau de lancer, mais vous gardez la touche activée. Donc par exemple, je sais pas moi, si votre touche c'est 3, bah vous restez appuyé sur 3 à la fin de votre tir. Ou bref, voilà, vous restez appuyé sur votre touche. Donc ça donne un effet stylé, et j'ai essayé quelque chose aujourd'hui, et ça a marché. Alors je vous proposerai le tuto, je sais pas si ça filme encore là, si ça enregistre ma voix. Si, voilà. Alors en fait, voilà, j'ai essayé un truc, c'est de faire un Titanic, mais avec autre chose que le couteau de lancer. Et figurez-vous que ça marche, donc je vous proposerai tout ça dans un prochain trickshot. Voilà, donc en attendant, c'était Text, et je vous laisse visionner la fin de la vidéo, il reste pas grand chose là. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, bye bye.